Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 1er septembre, premier jour du mois aujourd'hui, et je vous emmène avec moi à l'UMS. Alors ce vlog va être un condensé de plusieurs jours pour vous montrer plus précisément tout ce qui est sport. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous à midi, donc là j'ai une petite demi-heure pour aller à l'EMS, donc c'est de l'électrostimulation. Si vous me suivez sur Instagram, vous devez déjà savoir à peu près ce que c'est puisque je fais quelques stories à chaque fois que j'y vais pour vous montrer un petit peu. Donc comme le nom l'indique, il s'agit d'électrosimulation, donc c'est des simulations électriques, on va dire ça comme ça, qui sont envoyées dans vos muscles via des câbles, hein, vous êtes branchés, qui contractent vos muscles involontairement. Donc c'est pas vous qui décidez quand ça se contracte. C'est un peu ça ce qui est bizarre au début, ça fait pas mal, c'est une sensation, il faut tester pour voir ce que c'est. Et en fait vous faites l'effort, donc les exercices par-dessus ces simulations qui sont envoyées déjà par la machine, donc c'est ce qui donne double effort en fait. Voilà un petit peu le principe. Donc bien sûr on a comme je vous ai dit des câbles, et pour ça il faut mettre un gilet, et en fait vous êtes relié à une machine qui voilà, selon ce que le coach programme dessus, contracte plus ou moins les abdos, les biceps, les bras, enfin j'en sais rien, selon les muscles, et aussi l'intensité, parce qu'on peut régler bien sûr. Et je vais essayer de vous montrer quelques petits moments de la séance, et ça je fais une fois par semaine puisque je fais aussi une autre séance avec un coach. Donc c'est parti, let's go, on y va. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Voilà, tu t'es fermé devant toi. Ça crée ma tosse, hein. Bah, il faut, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est ton boulot, du coup. Du coup, vu que toi, t'es plus abdos, fessiers, bas du corps. Plus plus haut du corps, je vais séparer juste les exercices en deux. Ouais, ouais, bah, c'est parti. 2, 1. Et là, ça va venir, mon petit. C'est léger, c'est léger. Ouais, c'est léger, c'est léger, c'est normal, ça va venir. Ne m'inquiétez pas, je vais augmenter petit à petit. Question, ça va. Fais trop. Un squat, tu remontes, tu redescends, et d'écart, plus rien. Un squat. Ça marche? Ça marche. Encore, on repart. Parfait pour tous les deux. C'est très bien. Voilà, elle entend moins en moins de dos. C'est très très bien. Encore. Voilà, on garde le dos bien droit et tout mon muscle. Une jambe devant, une jambe derrière, une sur le step. Les mains comme ça et tu pars sur deux fentes. Ok. Tout mon muscle. Super. Très bien tous les deux. Du coup, j'explique ton prochain exercice. Tu vas simplement faire le développer. Et pour le faire, un squat, et pour rester, tu te retournes. D'accord? Sur 4 secondes. Parfait, très bien. Et tu te retournes. Et c'est chaud, hein? Ah ouais, grave. Très bien, ça. Parfait, vous allez simplement vous retourner, on fait le même exercice. J'insiste. Allez, encore, on tient. Ok, vous allez simplement poser l'élastique. Du coup, on part sur burpees. Tout simplement, on se met au sol, on fait une pompe, on ramène les jambes et on se lève. Ouais, très bien, à tous les deux. Tu te coules derrière. Derrière la cuisse? Non, derrière les abonnés, à l'arrière de moi. Ok, je vais baisser. Encore, il vous reste 4 burpees. Et vous pouvez poser. Très très bien. Ouais, j'ai vu. Ça va, ça a été du coup les deux? Ouais, ça va. Ça va? La souffrance se lit sur mon visage. C'était la reprise, comment vous dire que je l'ai senti. Hein. Ça fait trop du bien, là je suis genre toute détendue. Maintenant je vais me changer parce que là, je suis dans le vestiaire. La purée, je suis KO. Mais genre vraiment KO de chez KO. Enfin, pas que j'oublie de faire mes étirements à la maison parce que sinon je vais déguster sur les courbatures, comment vous dire, je ne trouve pas mes lunettes. Donc je vais bien m'étirer une fois rentrée à la maison et surtout boire un litre. Je suis assoiffée genre, mais vraiment. Donc c'est parti, let's go, retour à la maison. Et dans deux jours, là on est mardi et jeudi, j'ai ma séance. Oh il pleut. Oh putain. Non mais le temps les gars. Qu'on fasse une parenthèse, mais je ne suis absolument pas prête. Regardez ce que j'ai dû mettre aujourd'hui.
un pull, un truc à manches longues. Je suis pas prête. Je vous l'ai dit sur Instagram la dernière fois. Moi, je vais encore acheter des maillots de bain. Hein. Je suis encore. Moi, l'été, c'est pas terminé pour le moment. Donc, il est plus. Non, mais c'est quoi ça? On dirait l'automne. Et moi, je ne suis pas une meuf de l'automne. Je suis une meuf de l'été. Donc jeudi, donc dans 2 jours, j'ai ma séance de sport avec mon coach en salle, donc ça n'a rien à voir avec l'EMS, c'est pour ça que je vous montre les deux, parce que bah, c'est pas du tout la même chose, donc c'est cool à voir aussi, et donc bah, je vous emmènerai également avec moi. La fatigue, mais ça fait trop du bien, n'empêche, j'adore, après une séance de sport, vous êtes vidé, genre la tête, surtout la tête, ça fait trop du bien quand même. Allez, ça part sur une danse TikTok. Il est 13h19, j'ai faim, j'ai super faim et j'ai toujours pas bu, donc je suis toujours assoiffée. Avant, je vais ranger... Oh purée, le bordel. Écoutez, hein, c'est la vraie vie, c'est comme ça, j'ai du bordel comme tout le monde. Ça c'est quand je range pas le soir, et ça par contre, j'aime pas ça, parce que d'habitude je range toujours avant de me coucher, comme ça au moins le lendemain, eh ben, je suis tranquille. Mais là j'ai reçu des colis et tout, et j'ai oublié le trépied dans la voiture. Putain, fais chier. J'ai oublié le trépied dans la voiture, faut que j'aille le chercher, mais d'abord je mange et je bois, parce que sinon je vais m'écrouler genre. C'est trop bizarre, mais dès que les températures changent un petit peu, qu'il fait un peu plus froid, ma chaise est tout de suite réquisitionnée. Regardez-moi ça. Vous voyez rien du tout. Silver. Il va falloir bouger, hein. Parce qu'après, en fait, le programme de cet après-midi, je vais pas vous prendre non plus toute la journée, parce que comme je filme encore jeudi, j'ai ma voix off à faire et mon montage à faire, puisque je sors une morning routine et je ne l'ai pas encore... J'ai pas fini de la monter, j'ai commencé hier soir. Première étape. Hydratation. Du bien, je peux vous le dire. Mon kiff du moment, mon kiff, c'est de me manger des carottes comme ça, hein, pas cuites ni rien, comme ça, juste épluchées avec ce genre de sauce. Alors par contre, si vous savez où je peux trouver, je sais pas, peut-être en magasin bio ou comme ça, parce que je sais, hein, forcément que c'est possible et facile, sûrement très facile de faire ça soi-même, mais je sais que je ne le ferai pas. Je le sais pertinemment, je n'aime même pas cuisiner, je n'aime même pas prendre le temps pour ça, enfin bref, je sais que je le ferai pas, même si c'est facile, même si tout ce que vous voulez, je suis assez bornée pour ces trucs-là, je me connais, mais si vous savez où je peux trouver ce genre de sauce un peu mieux, parce que je pense que ça c'est pas ouf, après j'en mets pas 15 tonnes non plus, je fais juste un petit trempage dedans, mais ça, j'aime trop. Je mange pas que ça, bien évidemment, hein. J'ai une envie de gyoza. Donc je pense que je vais me faire ça. Et ce sera très bien. Donc, bonne nap les gars. Chin. Donc c'est parti pour terminer ce montage de morning routine. Bon, j'ai déjà fait quand même pas mal. Hein. Je sais pas si ça... Si vous verrez quelque chose. J'ai déjà fait pas mal, mais il me manque quand même encore 2-3 petits détails. Donc, d'ailleurs, quand vous verrez ce vlog, elle sera déjà sortie, la morning routine. Donc je vous mettrai dans le petit i, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu. Donc je pense que je vais vous laisser pour aujourd'hui, parce que comme je filme encore jeudi, donc là étant donné que je vais que faire de l'ordi jusqu'à ce soir à mon avis, je vais vous laisser là les gars, à plus tard, enfin à jeudi. Eh bien, comment on se retrouve les amis? J'espère que vous allez bien. Donc on est jeudi, il est 11h34, on va rien voir, j'ai trop de lumière. Bref, plusieurs choses de prévues. Déjà, si je me mets ici, c'est pour me faire une petite tête. Et ensuite, je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et donc ma séance de sport avec mon coach aujourd'hui. Mais aussi, ce qui s'est rajouté dans ce truc-là, c'est séance photo, vidéo et tout pour la salle de sport. Enfin bref, quoi. Du coup, il faut quand même que je me fasse une tête. Aujourd'hui, il fait beau. En tout cas, il y a ciel bleu. Je sais pas s'il fait chaud. Mais dans tous les cas, il y a soleil et ça me met déjà de bonne humeur. Donc c'est cool. J'ai reçu un colis. Trop cool. J'ai normalement un haut de sport en plus dedans. Donc, je vais l'essayer tout à l'heure. Make-up terminé, voilà ce que j'ai fait. J'ai utilisé cette palette, c'est la
New Neutral de Makeup Revolution. Et maintenant je vais aller ouvrir ceci puisque j'ai envie de voir si ce que j'ai commandé ça me va. J'ai un truc de sport, je vous ai dit, ou deux, je sais même plus. Et d'autres choses, donc je vais pas vous faire un haul hein, mais je vais quand même voir du coup si le haut Nike, je crois que c'est un haut Nike que je me suis pris, je vais pouvoir le mettre cet après-midi ou pas. Ouais, c'était ça. Petite brassière Nike, donc je vais voir si elle me va. J'espère qu'elle est pas trop petite. Bon, comment vous dire, je crois que c'est du 8 ans genre, mais trop bizarre, pourtant j'ai déjà des affaires Nike et tout hein. C'est ma taille normalement, mais alors là non putain, ils abusent là, je déteste renvoyer, recommander et tout ça. Bon, je viens de vous dire il y a 2 secondes que je vous montrerai pas le reste, mais j'ai quand même envie de vous montrer cet ensemble parce que je le trouve beaucoup trop cool. Regardez. Ah, je kiffe, il est trop beau. Il est trop trop beau avec le haut court comme ça, le pull court et le jog blanc en bas. Voilà, je vous mettrai quand même le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais moi perso, je kiffe. Je kiffe vraiment bien. Donc allez, maintenant je vous laisse vraiment et je vous retrouve plus tard. Bon, voilà à quoi je ressemble. J'ai pas eu le temps de me faire autre chose que ça, mais c'est pas grave, ça ira très très bien. Parce que là, il est 13h03 et il faut que j'y aille. J'ai pris toutes mes affaires là. Trépied et compagnie, je vais être chargée. Ben go hein. Ok, on est sur 5 minutes, faut que tu me mettes dans la vidéo ou pas? Oh, tu fais comme tu veux, tu fais comme si elle n'existait pas. Comment? Ok. Donc là, tu fais ma première pédale. Tranquillement, tu pédales. À partir du moment où tu vas pédaler, tu vas pas rentrer dans le monde sur les stats. Tu fais des petites accélérations et tu sens un petit peu plus chaude. Ouais. Tu récupères, tu fais des petites accélérations. On part sur 5 minutes, c'est que de l'échauffement. Ok. Okay. On va passer de l'autre côté, non? Ouais. C'est-à-dire qu'on est là sur le squat, boum, je vais te poser le truc et on va envoyer en même temps des autorités. Toujours. Pas oublié? Oui. Tac, et. On va chercher. Ok. Ah, c'est le plus haut aussi. Ouais. Là. Ok. Descends bien sur le squat. Voilà. Là, tu souffles. On part sur une série de 15 répétitions. Ok. On va chercher. Ok. 1, 2, 3. Boum. Ouais. À monter tout en serrant ouais. Les ischios et surtout à serrer les fessiers. Là c'est bien, serre tes fesses en haut. Souffle en haut. Inspire. Génial la pause. Ça va. Impec, impec. Ok. Tu avances, tu poses, ça comptait ? Ça va. Ok. Donc tu poses et là tu repars. J'adore cet exercice, tu le fais bien. Tu devrais marcher comme ça dans la rue. Tu marches comme ça dans la rue en France, tu dis c'est magnifique. Je les sens, ouais, c'est ce que je veux dire. Bon, ça y est, séance terminée, enfin. Ah, je suis contente, ça fait trop du bien à chaque fois que je finis le sport. Je suis toute détendue, zen. Je vais juste vous faire un petit tour de la salle si jamais ben, vous êtes de Strasbourg, vous êtes peut-être intéressé pour faire du coaching ou comme ça, peu importe. Je vous montre à quoi ça ressemble puisque l'endroit est quand même cool. De toute façon, je vous mettrai leur... leur site en barre d'infos. Il y a tout de détaillé si jamais vous êtes intéressé pour voir ce qu'ils proposent ou peu importe. Donc voilà, première salle. Comme ceci. Ta-da-da. La petite partie avec le fameux vélo là que j'ai fait. Et l'autre partie est comme ça. Grand miroir au milieu. Et l'eau. Je suis rentrée à la maison. Il est pratiquement 19h30. Je n'ai toujours pas mangé. Je vais aller faire ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, j'ai mis du rouge et tout parce que j'ai fait quelques photos très rapides. Je sais pas encore si je vais les poster ou pas, très honnêtement. Avec l'ensemble blanc, vous savez que j'ai essayé tout à l'heure et que je vous ai montré. C'est pour ça que je voulais mettre du rouge pour que ça ressorte bien et tout. Et j'ai fait quelques photos là à l'arrache devant le miroir. J'ai été motivée quand je suis rentrée. Du coup, maintenant, je pense que je vais vous laisser pour ce vlog qui sera déjà assez long à mon avis, qui était surtout focus sur tout ce qui est sport. C'est pour ça que je me suis pas trop attardée sur ma journée ou ce que j'ai fait autre. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker comme d'hab, à vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye.